get to hear me now. Yop tout le monde, c'est Maxime Roy, on se retrouve aujourd'hui et je vais vous faire voir la nouvelle vidéo qui va sortir en gros. Et en gros la vidéo c'est tout simplement sur comment hacker des skins on va dire. Alors on était avec Arkez, moi et Juju. On a fait ça et on... voilà, je vous fais voir la vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo, du coup on est avec Juju et Maxime Roy. Donc voilà, ils sont là, on va faire la petite vidéo. Et on va vous montrer bah, du coup comment avoir les skins modés. Donc voilà, présentez-vous les petits potes. Juju, comment vas-tu? Très bien. Allez, ton clan de fiche, je te vois. Et ça va Maxime ou pas? Ouais, ça va, ça gaze. Ça, ouais, bon, ça du va, coup, les potes, là on va vous montrer qu'est-ce qu'il va montrer. Bah, du coup, le. C'est lequel déjà? Le Galaxy. Donc il y aura deux liens. Il y aura ce lien là pour, bah, pour installer le logiciel, pour modifier. HD. Donc en gros, ouais, HXD, voilà. Puis il est là. donc voilà, HXD en français, vous cliquez sur ce lien et voilà, ça installe. Bon, moi je vais faire annuler. Faut bien sûr essayer d'avoir WinRAR, sinon ça va être compliqué, c'est mieux. Et voilà. Du coup, je vous mettrai le lien bah, de ce lien là. Donc bien sûr, prenez-le en français. Après, si vous êtes, je sais pas, espagnol, vous prenez en espagnol. Les préférences de langue aussi. Ouais, voilà. Après, on aura un deuxième lien, donc c'est ça. Donc là, il y a, bah, c'est, tous les tout, c'est le lien pour modifier tout. Bah, ça, je vous expliquerai après comment ça a marché, mais voilà. Là, vous avez tous les idées des skins, etc. etc. Voilà. Du coup, là, on se retrouve bah, sur le logiciel principal, donc HXD. Après l'avoir installé. Oui, bah, ça va, on n'est pas débile, hein, on va l'installer non plus. Donc voilà, dès que vous l'avez installé, vous l'ouvrez, donc vous arrivez sur cette page. Et là, le but, ça va être de rentrer dans les fichiers donc de Fortnite. Donc ici, donc vous arrivez, donc soit vous êtes sur le bureau, soit vous êtes, je sais pas, sur ça, voilà. Donc vous allez dans le Windows C, donc moi c'est Windows C, il faut aller dans le disque principal où il y a tous vos jeux installés. Donc on l'ouvre. Après on va dans Program Files, pas le Program Files. Non non, moi c'est Program, t'inquiète, c'est Program Files. Oui, il y en a c'est Program, il y en a c'est Program Files, voilà, moi c'est Program Files. Après on va dans Epic Games, voilà. Et après on va dans Fortnite, donc là il n'y en a qu'un. Et là faut bien sûr aller dans Fortnite Game, pas Enjoy, juste dans Fortnite Game. Contente. Et Pack. Voilà. Donc là on a plusieurs packs, donc là faut pas se tromper, faut aller dans le pack Chunk Zero Windows Client Pack. Pas celui-là, le point. Au pire, on leur mettra le nom du pack en description, comme ça ils verront. Ouais, ok, ouais, faudrait faire ça. Donc voilà, là on a le pack, regardez, je le souligne. C'est celui-là, point pack à la fin. Pas le point pack, point back, le point pack. Donc là on l'ouvre. Donc là ça va être un peu incompréhensible, il y a du texte, il y a des nombres, etc. C'est n'importe quoi, c'est le bordel. Donc là, pour commencer à modifier un skin, du coup, on va ouvrir ce lien-là. Donc là, déjà, le but, ça va être de trouver le skin que vous voulez. Donc nous, on va vous montrer le skin Galaxy, là. Donc on le trouve, je crois qu'il est tout seul à la fin. On va le trouver, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun risque de ban aussi. Ouais, voilà, parce qu'en gros, si j'ai bien compris, il n'y a que nous qui voyons le skin, je crois. En fait, ouais, il y a nous et il y a bah, nous. Voilà, du coup comme il n'y a que nous, et bah personne peut le voir, du coup personne peut vous signaler. Donc là en fait, vas-y, parle. Genre, il y a des skins qu'on peut mettre en game, mais il n'y a que nous qui voyons, ou nos potes qui ont fait la même manip que nous. Sinon, vous inquiétez pas, les ennemis ils voient pas et ils pourront pas vous signaler. Ouais, donc là, on a le skin Galaxy. Donc là, le skin Galaxy, bah, ça va être très simple. En fait, faut copier ça. Donc ça, on va copier, on va le mettre dans un document, un bloc-notes. Je vous ferai un fichier texte pour les commentaires. Voilà, donc là on a le bloc-notes. Donc là on prend ce lien, donc soit on clique sur la case et on copie avec CTRL-C, soit on prend ici, on copie là le texte en haut. Donc moi je vais cliquer sur la case. Tu prends la sauveteuse normalement je crois pour le modif. Ouais t'inquiète, après ça t'inquiète. Donc voilà, donc là on a le skin, donc là on a l'idée de skin, donc Galaxy. Donc là en fait après il va falloir trouver un skin qui a le même nombre de caractères ici. Donc là il est écrit 35 caractères. Donc là on va trouver un skin qui a 35 caractères, donc bien sûr il faut avoir le skin. Ah bah là il y en a, donc là il y a la sauveteuse. Donc là c'est 35. Donc là on voit 35, on fait ah 35 c'est bon. Donc là on copie pareil. Et voilà. On va le mettre donc dans le bloc-notes qui est là. Voilà. Donc là on a les deux skins, ils ont tous les deux 35 caractères. Donc là pour modifier, donc là on va modifier pour avoir le skin. Donc on fait CTRL F. Donc je le refais, CTRL F. Et ça ouvre un truc pour rechercher le texte. Donc on touche rien, on prend juste
une des valeurs, la valeur, voilà. C'est n'importe en vrai, hein. Je sais que c'est n'importe en prendre n'importe laquelle. Ouais. Moi je prends en premier celle que je vais modifier et après. Tu prends d'abord le, là tu prendrais d'abord le Galaxy toi? Ah bah oui. Ouais. Ouais, bon je sais pas, moi je fais avec n'importe moi. Il y a pas d'ordre, après faut juste pas se louper. Ouais voilà. Donc là on prend bah, le skin que vous voulez modifier, donc le skin que vous voulez avoir. Donc vous mettez, donc vous recherchez, vous faites OK. Donc là, normalement ça prend pas longtemps, ça prend 2-3 secondes, voilà. Donc là ça nous a sélectionné donc toute la partie qui est associée à ce skin. Et du coup, il va falloir changer avec le skin que vous voulez modifier, donc celui que vous voulez enlever et remplacer. Là, c'est la sauveteuse. Donc là, voilà, là, c'est la sauveteuse, là, c'est le Galaxy. Donc là, on a chopé le Galaxy et on va le remplacer par la sauveteuse. Donc on fait CTRL-C, donc on copie ça. On sélectionne à la souris le texte, donc il faut bien le sélectionner. Voilà, qui est déjà surligné, donc celui qui est surligné en transparent, on le surligne en gras. Et. Normalement... Vas-y, parle. Ouais, normalement, si vous faites une erreur. Avant de modifier, ça veut dire que ça va modifier la taille du fichier. Si c'est ça, recommencer, ça veut dire que ça va, votre jeu va crash après. Voilà, si ça vous met un message, ça change la taille du fichier. Donc, imaginons si je me regardais. Je vais vous le faire, mais le faites pas vraiment. Je vais vous montrer un petit exemple. Si je rajoute une lettre, et que je fais CTRL-C, et que là, que je fais CTRL-V, voilà, si il y a écrit ça, vous faites jamais ça. Là, vous faites annuler, et ça veut dire qu'il y a une couille, donc il faut le refaire. Donc là, je vais enlever ça, une lettre, voilà. Et donc, on reprend l'idée. Donc là, on est dans le cas normal, on fait CTRL-V. Maintenant, dès qu'on a sélectionné, on fait CTRL-V pour coller. Tac. Donc là, c'est remplacé. On voit que c'est en rouge, dès que c'est en rouge, et que ça n'a écrit aucun message, c'est-à-dire que c'est bon. Donc là, maintenant, deuxième partie, il va falloir. Donc là, on a changé. Et du coup, il va falloir le changer de l'autre côté. Ça veut dire que là, en fait, on a remplacé le skin célestial qu'on n'a pas, et on a mis celui de Lifeguard à la place. Du coup, il va falloir faire l'inverse. On recherche le Lifeguard, donc la sauteuse. Et. On va mettre du coup le Celestial. Donc ça veut dire que le Celestial il va apparaître ici et plus là-bas puisqu'on a mis la sauveteuse. Donc pareil, là on voit que c'est sélectionné donc c'est bon. On copie l'autre, le Celestial, et on fait CTRL-V. Et là dès que c'est comme ça, bah, du coup on a fini et là normalement et bah, on a le skin. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais fermer. Donc soit vous fermez, soit vous faites enregistrer, c'est comme vous voulez. Bon, je vous conseille de fermer à chaque fois parce que des fois il y a des bugs. Et vous faites enregistrer le changement, donc ça vous faites oui tout le temps. Donc là maintenant, dès qu'on a enregistré, on attend, et voilà, donc là ça dure 1 minute, mais en général ça va beaucoup plus vite. S'il n'y a aucun problème, bah, ça va vous lancer tranquillement. S'il y a un problème, faudra vérifier les fichiers du jeu. Donc, ça, je vous montrerai après. Sinon, il y a une autre technique avec les fichiers, mais ça. Donc, là, voilà. Donc, là, j'ai le skin Renegade. Bon, ça, c'est. Faut pas le dire. Ça sera dans une prochaine vidéo ou peut-être pas. Et là, bah, on regarde. Donc, déjà, j'ai plus la sauveteuse. Et là, on regarde. On l'a vu. On descend juste là. Et là, on a quoi? Bah, le skin Galaxy. Tout simplement. Voilà, avec le sac, il est pas beau, mais voilà, on a le skin Galaxy. Et du coup, et eh ben bah c'est le vrai quoi. C'est le vrai. Donc après voilà, donc là c'est, en plus si je le mets, on pourra le voir dans le lobby. Donc attendez, invitez-moi les potes ceux qui sont en game là. Invite Juju. Invitez-moi, on va les rejoindre. Ah mais je sais pas si tu m'as un ami Juju. Moi je peux pas t'inviter moi. Si. Bon. Oh, je vais l'inviter. Ah mais t'es en partie toi. Moi je suis en partie moi. Et voilà du coup, hop, donc là je les ai rejoints. Et là, vas-y, mets un skin, mets un skin. Attends, tu bug. Attends, je l'entends. Invisible. Voilà, donc regardez ce skin, Maxime Roy, de base, il l'a pas. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. If you get to hear me now.